Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du coup, le live du, euh, du jeudi 21. Euh, alors, du coup, voilà, je vous refais le petit rappel comme d'habitude je ne suis pas un professionnel de la bourse et de l'investissement et cette vidéo est réalisée dans le but de partager des astuces et des bons procédés pour devenir un trader profitable sur les marchés financiers. Et il ne s'agit en aucun cas de conseils d'investissement ou d'incitation à prendre des positions sur le marché et donc je ne pourrai pas être tenu pour responsable des pertes sur capital que vous pourriez éventuellement euh, subir. Je vous rappelle que le forex et les crypto-monnaies sont des marchés à risque et qu'une bonne gestion de votre capital n'est nécessaire plus investir et qu'il ne s'agit pas de solutions miracles pour gagner de l'argent rapidement et facilement. Donc voilà, ouais, je vous remercie de votre compréhension et du coup je vous souhaite une très bonne vidéo. Et puis on est parti, du coup, c'est bon, c'est ok. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui On va tout simplement d'abord voir, comme d'habitude, le petit programme, le calendrier économique, le plan de trading sur nos 5 pairs swing. On regardera un petit peu le trade USDN qui se débrouille qui se déroule pas trop mal notamment grâce au taux euh, de comment dire de la Fed. On va voir ça ensemble. On fera le petit tour des cryptos. On regardera le trade qu'on a pris hier ensemble sur les hausses, euh, Bitcoin qui part un peu dans le bon sens. Et puis on regardera un petit peu une ICO particulière que j'ai dénichée que je vais vous montrer un petit peu après. Voir un peu. Euh, vous montrer un petit peu tous euh, les comment dire toutes les applications possibles de la crypto euh, et de la blockchain. Euh, voilà. Donc juste avant ça, je voulais ça. Euh, avant ça, du coup, je voulais juste vous rappeler que euh, vous pouvez toujours télécharger mon guide euh, gratuit de la bourse pour simplement apprendre un peu euh, comment dire, les bases de l'investissement en bourse. Et puis également, j'ai ouvert la, la partie crypto euh, sur mon site, donc traderpro.fr. Voilà, là, vous pouvez cliquer ici et en fait, vous avez accès à tout, tout ce que j'ai fait sur, sur la crypto. Donc pour le moment, il n'y a pas forcément énormément de choses. Mais, euh, mais disons, que voilà, il y a, y, a euh, y a tout ce que j'ai fait pour la, sur la crypto euh, pour le moment, et puis euh, ça va, ça va se, se remplir au fur et à mesure. Donc voilà, il y a cette partie euh, qui est ouverte, donc c'est euh, traderpro.fr/slash crypto-monnaie, que vous pouvez retrouver dans la description. Je vous le mettrai, euh, je vous le mettrai après. Euh, bah, au pire, je vais vous le mettre même maintenant. Hop, comme ça, et puis on euh, va le mettre ici. Je vais le mettre là en attendant, et puis, euh, et puis euh, je verrai après comment je, je le refais. Euh, et aussi, également, euh, si vous souhaitez juste aller à un endroit précis de la vidéo, par exemple, juste voir le trade sur l'EOS Bitcoin ou, ou alors, euh, alors je, je sais pas moi, le trade sur l'USDN, je, je vous suis de cliquer dans la description si vous n'êtes pas en live pour tout simplement bah, atterrir directement. Il y aura des liens qui vont vous ramener directement vers les parties de la vidéo qui, euh, qui vous intéressent tout simplement. Alors, le calendrier économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir C'est que hier il y a eu du coup la décision euh, de la Fed sur les taux, euh, qui donc ont maintenu les taux euh, au précédent, et puis c'était ce, ce qui ce qui était de toute façon attendu. Il y a juste eu quelques petites news ici qui ont, qui ont un petit peu été euh, comment dire, dans le rouge pour, pour les états unis mais apparemment ça n'a pas, euh, je pense que le discours a comment dire, bien joué, et ce qui a fait bah, une hausse phénoménale du, du dollar sur, sur les paires du coup bah, avec le dollar. Donc on ira voir ça de toute façon après pour, pour euh, comment dire le swing. Et puis du coup aujourd'hui bon là, il y a eu ça, il y a eu euh, les taux de la BOJ donc qui n'ont pas changé et ça n'a absolument rien fait sur, sur l'USDN donc écoutez pour nous c'est impeccable. Euh, là en ce moment du coup, ah le discours du gouverneur, d'accord. En plus pile, pile à la même heure. Euh, on va voir ce que, ce que ça va faire, mais après de toute façon, comme on n'est pas positionné sur l'aude ou quoi que ce soit. Écoutez, c'est pas très important. Euh, là, il y a toujours cette conférence sur la BOJ qui peut éventuellement... Euh, bah, Peut-être euh, faire bouger l'USD le, le, Yen, mais bon, vu comment la position est bloquée, enfin pour moi en tout cas, est euh, sécurisée à ce moment-là, il euh, n'y a pas trop de, de problèmes pour le moment. Et puis il bon, y aura toujours le petit discours de, de Draghi euh, à 15h30 donc à surveiller, mais de toute façon, comme, euh, comme je ne suis pas positionné sur l'euro, euh, ça n'a pas trop d'importance. Euh, et puis pour vendredi, du coup, je ne serai pas là vendredi, je vous, vous le, je vous le reprécise ici, de toute façon, il n'y a pas grand-chose éventuellement toujours un petit discours de draghi mais comme je le dit, on n'est pas sur, euh, on n'est pas sur l'euro euh, donc sinon ça ça va pas être trop euh, trop sportif euh, en fait euh, je suis pas là parce que je vais euh, je me rends une comment dire une journée euh, de trading en fait euh, avec pas mal de conférences sur le trading etc et du coup euh, voilà, je pars, je pars assez tôt et forcément du coup j'aurai pas le temps de faire euh, faire le live mais je pourrais éventuellement vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé ce qu'il y avait là bas et ce que j'ai ce que j'ai pu apprendre parce que je pense que ça va être extrêmement euh, intéressant. Voilà, donc fin de la parenthèse, soit euh, pour dire qu'il n'y aura pas de, de live demain. Et du coup, on va pouvoir passer du coup sur euh, le swing. J'ai préparé le plan, il est, il est ici, comme d'hab. Alors, on est du coup, plan euh, de trading du 21.9. Ok, alors l'eau du SD, alors voilà, voilà forcément, regardez ce qui s'est passé hier. Alors c'est bon vu que l'USD a tout détruit. S'il veut bien charger, ce serait sympa. Ouais, <laughs> mais encore. Tu es malin. Hein c'est quoi on va tout recharger voilà, Ça va fonctionner j'imagine. c'est pas grave. Hop, retourner sur... Voilà. Alors, du coup, eh bien, euh, hier, on a eu une belle attaque haussière euh, au niveau du goût de, de comment dire, cette zone de, de résistance qu'on avait identifiée. Et euh, bah, du coup, comme il y a eu la, la news sur, sur le dollar, eh bien, ça a tout simplement fait chuter de manière considérable le cours de, de l'eau du USD en quelques en quelques heures. Ouais, on va dire ça carrément. Et en fait, donc, si vous voulez, nous, notre, notre idée hier, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais en gros, il n'y avait pas grand-chose, attendre l'accumulation D1, donc c'est exactement ce qui est en train de se produire, euh, puisque là, de toute façon, on n'aurait jamais pu rentrer dans, dans ça, c'était beaucoup trop violent, beaucoup trop. Enfin, 4 bougies H4 comme ça, c'est cool si on s'est positionné ici. Il y avait peut-être d'ailleurs une, une. Comment dire euh, Ouais, il y avait une accumulation M30, mais comme je vous ai dit, c'est en plein milieu du range, du range, du range, donc bon. Dans le cas présent, ça aurait pu fonctionner, on aurait pu faire un gain, mais c'est pas forcément ce qui est intéressant de faire euh, sur le long terme. Quoi. Et, euh, et du coup, ici, bah, voilà, on voit que bah, ça a complètement fait rebondir euh, le prix, et donc ça valide totalement notre accumulation D1, euh, qu'on peut euh, du coup retrouver comme ça. On peut dire que ça avait quelque chose comme ça. Là, là c'est ok. On a notre accumulation de D1. Donc, eh bien, écoutez, maintenant, on va attendre que ça, comment dire, que les mondes de Bollinger se resserrent et que tout simplement le prix accumule de manière extrêmement nette pour pouvoir, du coup, prendre, eh bien, position. Donc, aujourd'hui, ce sera plus de la surveillance de l'accumulation d 1. Donc, ça va pas être grand-chose, du coup, sur, sur l'USD euh, l'eau USD. Après, on pourrait éventuellement prendre euh, peut-être un trade euh, si jamais ça, ça touche la borne basse, puis ça repart dans l'autre sens. Ça pourrait être un trade intéressant. Cependant, euh, là, vu, vu le contexte, euh, comment dire, avec les news, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de, de prendre un trade à l'achat, par exemple, si ça arrivait là. À voir. De toute façon, c'est à voir, mais moi, en tout cas, pour la stratégie safe, euh, je ne toucherai pas... Je ne toucherai pas pour le moment à, à, à l'eau de l'eau de l'eau USD, pardon. Euh, le roi, du coup, alors là c'est pareil, ça fait un truc assez impressionnant. Euh, du coup, euh, vous vous souvenez, on avait dit qu'on attendait en fait l'accumulation H4. Je crois que c'est exactement ça qu'on avait écrit. Attendre l'accumulation H4, exactement. Sauf que ben bah, écoutez, il n'y a pas vraiment eu d'accumulation. Ça fait hop, et le prix s'est retourné immédiatement en H4 et euh, a été venu, venu toucher du coup ce niveau bas qui représente vraiment un niveau de, de support extrêmement puissant, on le voit, ça a quand même arrêté ce niveau, ce niveau, ce niveau, ce niveau, à peu près ici, celui-ci, et du coup maintenant celui-ci, et c'est très difficile de trader un marché qui, qui fait ça, regardez, qui monte très fort, du coup qui repasse comme ça de l'autre côté, du coup qui casse ce dernier plus bas et qui repart fortement dans l'autre sens, c'est pas possible enfin c'est horrible à trader donc pour le moment euh, on reste du coup dans l'accumulation dans l'accumulation euh, D1 et puis on peut rien faire parce que <laughs> je suis même pas sûr qu'il y avait une accumulation m 30 en bas pour pouvoir prendre position. Non vous voyez c'est ouf, c'est enfin comment dire le mouvement est, est propre quoi, c'est c'est regardez ça. C'est limite on dirait vous savez le euh, comment dire des des N -K -N Regardez euh, comment je pourrais vous prendre comme exemple. Euh, un truc où il n'y a pas forcément de bougies comme ça. Regardez par exemple ici vous voyez que il euh, y a plein de bougies rouges, rouges et, et, et vertes. Et en fait le, le N eh bien il lisse ça en fait. Il crée des, des comment dire plein de bougies vertes, puis plein de bougies rouges, plein de bougies vertes. Et en fait ça permet de faire des stratégies par rapport à ça. Euh, mais euh, Sauf que euh, là du coup bien, on dirait sur l'Eurode que c'est des enkanashi, regardez, rouge, bleu vert, vous voyez c'est marrant. Euh, donc ça vraiment... là c'est pareil, regardez on a l'impression que c'est particulier à, à l'Eurode en ce moment apparemment. Après c'est du M30 donc vous allez me dire que c'est pas non plus extraordinaire. Mais, euh, mais c'est vrai que si vous aviez pris par exemple ce trade ici en M30 à la vente, bon, évidemment vous seriez peut-être rentré ici, mais ça faisait quand même une magnifique PC à prendre. Après voilà, il, fa il fallait oser le prendre. Je l'aurais pas pris parce que ouais, je vous avais expliqué un petit peu, il fallait attendre un ralentissement de, de la tendance H4 euh, parce que ici rien ne nous disait que cette, ce niveau-là n'allait allait pas arrêter le, le prix. Donc malheureux, de, écoutez on remet de côté. On va remettre de côté euh, rien ou attente euh, stabilisation parce que là clairement ça part vraiment trop. Euh, vous allez me dire ouais c'est vrai qu'on a pas beaucoup d'actions en ce moment bah écoutez ça dépend des moments euh, là on va peut-être avoir quelque chose sur euh, le rocade regardez hop on voit qu'il y a du coup cette première euh, comment dire comment on appelle ça une, une impulsion haussière voilà je cherchais mon mot qui vient de se créer et donc là il y a une correction qui s'est mise en place sur euh, le D1 et du coup euh, ça prend la forme d'une accumulation H4 donc là plutôt on va plutôt la mettre comme ça l'accumulation finalement vous allez me dire oui, mais là ça a cassé le plus bas, donc on peut peut-être identifier un retournement. Effectivement, ça pourrait le faire, mais, euh, mais on voit bien que les bandes de Bollinger se resserrent. Et moi, je vais vraiment envie d'attendre que euh, tout, tout se resserre. Et puis là, on voit vraiment qu'on est en fait sur le précédent range H4. Bon, après, c'est pas forcément très propre, on dirait plus un range D1, mais euh, dans tous les cas, ici on est sur un niveau important. Ce, ce niveau ici représente quand même quelque chose d'important. Donc, euh, L'idée ici, ça va être d'attendre l'accumulation et puis si ça part du coup, euh, attendez, comment on pourrait faire ça, on va reprendre ça, on pourrait faire quelque chose comme ça si vous voulez. Hop En gros, si ça, si ça casse du coup ce niveau, on réintègre un peu ce sort de range et là du coup ça pourrait être extrêmement intéressant de prendre une position à la vente. Par contre, si ça repasse du coup au-dessus de ces derniers plus hauts, et ben là ça serait plus un, un niveau très intéressant euh, pour la hausse. Donc, le rocade, ce serait euh, eh bien, attendre la, cumula la cumulation euh, H4, prise de position dans les deux sens euh, avec double signal ou non. Regardez là par exemple ici, j'imagine qu'il y a une accumulation M30 qui s'est mise en place. Vous voyez, regardez-moi ça, c'est parfait ici. Si euh, cette accumulation, éventuellement, pourrait casser par pour le bas, ça pourrait être très, très, très intéressant. Après, avoir forcément, puisque là, les bandes de Bollinger sont pas non plus... Euh... Après, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas Ça, ça, peut, ça peut fonctionner. Donc, euh, elles sont pas... Si vous voulez, l'idéal, c'est vraiment quand les bandes de Bollinger sont plates. Il euh, n'y a rien de mieux en termes de... Bah, écoutez, comme, comme là, par exemple. Regardez ici. Là, c'est le, 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 le... Comment dire C'est le, le meilleur truc qu'on peut avoir. Regardez-moi cette accumulation. Et de toute façon, on le voit souvent, vous vous souvenez, je pense que l'accumulation que j'ai prise ici, euh, là c'était pareil. C'était euh, le matin, exactement à la même heure. Donc si vous voulez, euh, je pense que l'Eurocast, enfin tous ces marchés-là qui sont du coup euh, plutôt liés à, à l'Europe, ils, ils comment dire, ils cassent souvent euh, au, au niveau de l'ouverture euh, de la session européenne. Donc euh, c'est pour ça que ça peut être intéressant de surveiller. Après, de là prendre... Là je ne prendrai pas un trade à l'achat ici. Parce qu'on est quand même dans l'accumulation et puis euh, pourquoi vous allez me dire, on peut atteindre cet objectif-là, donc ça peut être éventuellement intéressant. Donc à surveiller le recadre, mais pas non plus en faire... Euh, euh, comment dire... Euh, enfin, en version en version, euh, comment dire... En version safe, moi j attendrai l'accumulation H4 et puis un, un truc sympa. Par contre, en version bourrin, euh, pourquoi pas prendre cette accumulation M30 Ça, c'est à vous qui voyez, mais on peut, on peut éventuellement en faire les deux. Voilà le GBP Alors... C'est impeccable le GBP parce que euh, bon, bah, du coup il y a eu encore une fois ce, ce truc avec, euh, avec euh, comment dire le dollar, mais autrement on voit bien que là euh, ça accumule, ça accumule même euh, pas mal du tout en, comment dire, en en H4, donc ça peut être un très bon, un très bon signe pour dire que eh bien après on va pouvoir reprendre une position une position à l'achat puisqu'on voit tout simplement que ici euh, le mouvement euh, D1 ralenti donc. Après, euh, ça peut être embêtant, parce qu'on peut se dire que le mouvement d'air ne va pas non plus euh, reprendre immédiatement. Donc euh, prendre un trade à l'achat pourrait être risqué. Et puis euh, un trade à la vente, ça pourrait être embêtant aussi. Donc j'avoue que sur le GBP, euh, le GBPST, pour le moment, c'est pas forcément... Euh... Enfin moi j'hésiterais quand même à prendre un trade dans un sens ou dans l'autre. Euh, parce que, comment dire, d'un côté, on a une tendance très 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 très, très forte. Euh, en, en D1 sur, euh, sur la hausse. Du coup, ce serait étonnant tout de même qu'il n'y ait pas une correction importante qui se mette en place euh, et, euh, et comment dire qui euh, qui comment dire euh, et voilà une, une correction importante qui, qui se mette en place et qui du coup euh, ralentisse le mouvement D1 avant de, une nouvelle hausse. Euh, mais d'un autre côté, comme la tendance est extrêmement forte, ce serait un peu peut-être bête de, de vendre. Donc euh, après, je pense qu'on va faire comme ça. Regardez. hop, notre idée, ça va être du coup de vendre si le GBP passe sous ce niveau si je peux pas, et à, un, à peu près jusqu'au niveau de, de, de le dernier niveau de pullback en fait euh, du euh, comment dire du, du GBP donc ça pourrait être intéressant ici de prendre du coup une cassure à la baisse de cette accumulation H4 pour aller jusque ce dernier niveau de pullback D1 et puis du coup voilà ce serait notre objectif prendre ça pète à la hausse j'hésiterais quand même à prendre donc euh, GBP USD, du coup ce sera prendre cassure par le bas de l'accumulation H4 avec double signal. Non. Donc pas forcément de hausse pour le moment parce que ça me paraît quand même assez euh, assez euh, ballsy quand même. Puis là on voit qu'il y a une accumulation. Donc là regardez, c'est le même scénario que sur le ROCAD. Ça peut être très sympa. Après les faux signaux sur le GBP sont assez importants j'ai l'impression regardez par exemple ici on avait une sorte d'accumulation et puis paf ça casse à la hausse et paf ça casse à la baisse donc ça peut être ça peut être bien mais d'un côté euh, c'est compliqué puis est-ce qu'il y avait des news un peu sur euh, sur l'usd et sur le gbp ici ici c'est pas des trucs de ouf écoutez ce trade là il me tente très bien s'il passe si partait à la baisse ça pourrait être intéressant donc à voir je vais voir si je le prends je le prends ou pas euh, et du coup le l'USD yen donc on va voir ensemble il n'y a pas grand chose à faire serait euh, que regardez Tac, voilà, si je me remets comme ça, même en D1 on peut peut-être se remettre. En D1, du coup on a identifié un nouveau, un nouveau creux en fait, puisqu'ici il y avait un doji, enfin, on voyait qu'il y avait une accumulation, donc ça fait comme ça. Et, euh, et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement remonté euh, mes stops, ce qui me restait mes latents. Donc il y a toujours le latent de la première position, et puis le latent, euh, alors attendez, je ne sais plus, je ne me souviens jamais à chaque fois à quelle position ça correspond. Mais euh, le latent du coup je pense du trade euh, du trade H4 qu'on a pris ici. L'attente de ce trade H4 ici, j'imagine, ça doit être ça. Euh, du coup, c'est 20% et 20% des deux trades, et puis ça, ça fait quelques, quelques gains sympathiques pour le moment. Et en fait, voilà, c'est un peu la news, euh, la news sur euh, l'USD euh, qui, qui a porté un peu ce, ce mouvement. Donc, pour le moment, bah écoutez, euh, on, va, on va attendre et puis, euh, et puis voir ce qui se passe, mais je pense pas forcément reprendre un trade euh, ici. On pourrait éventuellement pyramider si jamais ça repart à la hausse encore de toute on peut toujours pyramider encore plus si on veut, après il y a de grandes chances que, que le trade soit perdant, bien que on voit quand même que là forcément euh, là il y a eu un mouvement comment dire, même sur le D1 si vous voulez, on, on voit quand même que là c'est la troisième mouvement, le, la troisième impulsion, on a une impulsion, une seconde impulsion et une troisième impulsion et bien souvent les mouvements eh bien euh, on, souvent trois impulsions c'est souvent le chiffre qui, euh, qui revient euh, qui revient assez souvent euh, en comment dire, euh, en bourse donc après euh, voilà c est, c est, ça n'engage que que celui qui y croit, évidemment mais euh, ça, ça peut toujours euh, être annonceur si vous voulez ça peut toujours c'est toujours plus risqué de toute façon de rentrer sur la troisième le, le, comment dire, la troisième opportunité euh, dans une tendance donc peut-être que je vais simplement laisser courir mes latents et puis, et puis prendre le, les gains euh, quand ils viennent quoi. voilà donc pas grand chose finalement à dire sur euh, l'USD yen et puis ça va être euh, bah écoutez on va même prendre la même chose. Hop, on va pas s'embêter, c'est exactement la même chose. Donc voilà le plan de trading pour la journée. Euh, puis pour euh, voilà la journée, puis pour le... Du coup aussi vendredi, on va pas, comme je vais pas pouvoir trader, je vais pas forcément regarder Donc euh, même si je prends un trade M30 aujourd'hui, je le sécuriserai de toute façon le plus possible euh, avant, avant vendredi. Euh, voilà, du coup on va passer sur les, les cryptos. L'Ether Bitcoin qui était toujours en accumulation si je ne dis pas de bêtises. Voilà, impeccable. L'Ether Bitcoin toujours en accumulation entre ces deux niveaux très intéressants qu'on avait identifiés. Donc ça, ça réintégrait du coup ce sort de range euh, H4, soit euh, on sortait du range euh, D1. Donc, eh bien écoutez, on est toujours en surveillance, on attend. De toute façon, c'est assez liquide les terres Bitcoin, que ce soit euh, même en, en M30, on voit que c'est ouais, un peu. On pourrait faire mieux, mais quand même, il y a quand même plus de liquidité que sur certaines, certaines autres paires crypto. Donc pour le moment, on laisse comme ça, et puis on, on voit ce qu'on qu fait, et puis on, on prendra du coup la cassure à la hausse ou à la baisse, j'imagine. On peut faire les deux. Euh, sur Bitfinex, on peut tout simplement... Euh, J'espère qu'il ne m'a pas déconnecté. Non. On, on regardera après de toute façon ma position euh, sur euh, l'EOS. Euh, le Ripple. Alors le Ripple, je ne me souviens plus ce qu'on avait dit que je devrais peut-être noter aussi parce que sinon c'est un peu embêtant mais me semble qu'on avait dit qu'on faisait pas grand chose puisque là il y a toujours une accumulation H4 qui se met en place hop, pour moi hop voilà euh, ok regardez ça Oula. regardez ça d'un peu plus loin ah oui ici je me souviens ce que j'avais dit c'est que c'était mou, ça allait pas vite, il euh, n'y avait pas d'impulsion alors que c'est marrant parce que des fois vous avez des bougies gigantesques et des fois c'est vraiment des trucs, des volumes vraiment ridicules donc euh, là je pense que pour le moment on va, on, va, on va laisser de côté. Le light cone, vous voyez que c'est dommage parce que finalement ma position ici aurait pu être gagnante celle que j'avais prise ici euh, mais euh, voilà euh, comment dire, euh, euh, vous voyez c'est pareil, ça fait ça, ça repartit dans l'autre sens. C'était pas assez propre, si vous voulez, pour... Mais bon, après, voilà, c'est des trucs à tenter. Et puis les cryptos, voilà, c'est pas une science, une science exacte. D'ailleurs, le trading n'est jamais une science exacte. Mais, mais disons que voilà, des fois, sur le forex, les trucs sont peut-être parfois un peu, plus, un peu plus propres que sur les cryptos. Euh, le dash. Alors le dash, voilà, il aurait fallu... Euh, du coup, c'était quand 14h C'est marrant, j'étais pas... Euh... Il aurait peut-être fallu prendre une, une position ici, parce que là du coup c'est un petit peu... Ah non, je sais ce que je voulais attendre en fait. Euh, J'imagine que je voulais attendre la cassure de ce dernier sommet, sauf que là du coup c'est fait. Et euh, maintenant c'est parti, donc euh, au niveau du dash euh, euh, c'est un peu trop tard pour, euh, pour moi pour prendre position. Euh, éventuellement s'il y a un pullback, pourquoi pas, mais pour le moment c'est un peu trop tard pour acheter, parce que même si on regarde par rapport au D1, ok. Ouais donc on est quand même parti, donc c'est la première correction qui a eu lieu, donc effectivement ça aurait été intéressant de se positionner ici, mais pour le moment on peut pas du coup. Donc voilà, ouais, bah, clairement il n'y a pas grand chose à faire, éventuellement euh, se positionner s'il y a un pullback sur ce niveau, mais autrement, euh, autrement ça sert pas à grand chose euh, pour le moment de se positionner sur, sur le dash. L'OMG. Alors oui, l'OMG j'avais remarqué ça. <laughs> on, en, on en a discuté hier, euh, pareil ça fait un Nenkanashi un petit peu On avait discuté hier ici d'attendre en fait tout simplement une, une accumulation sur le, le H4 à cet endroit là Et puis et bien, prendre un trade si ça part dans un sens ou dans l'autre Donc là on voit que c'est avec cette belle bougie haussière Et bien on peut imaginer que ça va tout simplement inverser un petit peu la tendance Et puis créer une, une accumulation sur, sur le H4 Donc à, à attendre en fait tout simplement et enfin les hausses, du coup c'est mon trade. Alors euh, j'ai pris ici, bon, De toute façon on l'a pris hier ensemble, on l'a pris ensemble hier, avec mon stop qui était du coup à ce niveau-là, au moment où j'ai pris le trade. Et puis ce qui s'est passé, c'est que voilà, là il y a eu une, une accumulation en M30. Regardez, à cet endroit-là précis, c'est pas beau mais il une accumulation en M30. Du coup, ce que, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement prendre mon stop et puis eh bien, le remonter enfin le redescendre plutôt jusqu'ici à peu près, euh, pour simplement protéger ma position, puisque de toute façon ici il y a une accumulation M30, donc en toute logique, eh bien, ça, ça, protège, ça protège vraiment la position, puis du coup il y a ce niveau ici qui est important, et qui du coup voyez, a fait accumuler le prix, a fait rebondir le prix ici, et du coup protège vraiment euh, la progression du prix à la baisse. Donc on peut voir ça, euh, non c'est sur Bitfinex, on peut voir ça ici, euh, est-ce que c'est est pas le bon du coup, il faut aller sur, Léos, Léos Bitcoin, voilà, vous voyez c'est ici, donc c'est un peu dommage, ça, ça, on, voit, on voit pas très bien avec, avec sur, sur Bitfinex, mais du coup voilà, ma position était prise ici, et puis du coup le trade se déroule à la, à, comment dire, à la vente assez bien, et puis j'ai remonté mon stop juste à cet endroit là, puis on voit toujours la ligne de liquidation qui, qui apparaît là, euh, et puis du coup bah, voilà le trade me génère pour le moment 1,9 EOS donc ce qui représente pas grand chose ça représente 0,0 euh, 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 pas 0,003 bitcoin un truc comme ça enfin c'est pas énorme c'est pas c'est pas un truc de ouf mais après comme je vous avais dit c'est un peu compliqué de, pour calculer les hein, même pas 0,003 bitcoin peut-être J'en sais rien, mais, euh, mais disons que c'est comme c'est compliqué de calculer les bris, etc. Pour le moment c'était un trade un peu test avec vous pour voir un peu comment comment ça évolue euh, sur la crypto. Donc pour le moment ça se passe bien, et puis mon idée ce serait du coup de couper peut-être une partie du trade si on va, on va se remettre ici parce que sinon c'est impossible. Euh, une partie du trade euh, si euh, le prix du coup casse ce niveau, pourquoi pas, par exemple je sais pas moins 50%, et puis on laisse les autres 50% courir avec euh, forcément euh, toujours ce stop-là euh, au cas où quoi. Donc, je pense que ça serait bien, du coup le trade serait sécurisé, on ne perdrait pas forcément d'argent à part peut-être l'argent du, du funding, mais euh, écoutez, voilà, euh, on fait ça, donc euh, je pense que ouais, on, on va faire ça, je vais surveiller le trade, et puis de toute façon, euh, je vous tiendrai au courant par rapport à ce qui se passe demain, et puis après c'est vrai que ce qui est embêtant avec la crypto, c'est que le trade sera, va courir le week-end aussi, donc il va falloir surveiller un petit peu ça aussi. Ou alors il sera coupé avant, je ne sais pas. Je couperai de toute façon sur un ralentissement sur euh, le H4, mais pour le moment c'est pas... C'est pas quelque chose qui, euh, qui a l'air de, de, se, de se dérouler. Euh, voilà du coup pour tout ça. Et puis on va donc pour terminer regarder un peu une ICO que j'ai remarquée. En fait, si vous voulez, de temps en temps, je, je, je check un peu ICO Alert où il y a vraiment tous les, toutes les ICO qui sont en cours. Et puis euh, et on trouve des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, ça je connaissais pas, carte mince, je vais pas cliquer dessus Carte taxi, par exemple, c'est un, un truc intéressant. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer, mais j'en profite. Euh, C'est euh, comment dire une, une société qui, euh, euh, qui a pour objectif que ça charge quand même. Ça va bien. <laughs> Doucement, ouais. Une société qui a tout simplement pour objectif de euh, comment dire euh, de, de proposer un service de dépannage de, de voitures accidentées finalement regardez là on voit un petit peu le, le logo bon, ça met un peu de temps à charger parce qu'avec le stream et en fait c'est un, un, un service de dépanneuse à, avec la blockchain donc c'est c'est un, un truc incroyable et ils, ils ont déjà pas mal de clients et si j'ai bien compris j'ai reçu un mail ce matin euh, en gros ils ont déjà euh, les premiers investisseurs dans la pré-ICO ont déjà reçu euh, des, des bénéfices donc euh, quelque chose qui est comme 2,6% en un mois donc c'est pas mal quand même ça fait un rendement assez intéressant. Donc, pourquoi pas, euh, bah, tout simplement, euh, participer à cet ICO dans 8 jours. En plus, les premiers jours, on a un bonus de, de token. Et puis, euh, euh, voilà, ils nous ont déjà quand même... C'est déjà un business qui est en place. On voit d'ailleurs... Euh, regardez ici où ils en sont. Donc, pour le moment, c'est ici. Et en fait, au fur et à mesure que, que vous... Euh, regardez, ils vous montrent les nouveaux, nouvelles zones qu'ils veulent conquérir. Donc, d'ici 2021, il y aura toute cette partie du monde qui sera... Euh, à peu près d'après leurs estimations qui sera du coup couvert par le service donc à part euh, disons que l'Afrique la, est quand même euh, peu peu concernée même après forcément puisque euh, voilà c'est plus euh, comment dire le temps du développement etc euh, c'est plus intéressant pour eux j'imagine de faire dans tous les autres, les autres pays pour le moment euh, et donc voilà c'est un, un projet intéressant du coup je vous en reparlerai si euh, je décide d'investir dans la euh, mais pourquoi pas franchement ça peut être extrêmement, extrêmement cool donc à voir, je vais voir comment euh, comment je peux faire ça. Et puis euh, de toute façon c'est le 29. Donc bah, voilà, c'est dans, dans 8 jours, c'est vendredi euh, vendredi prochain, j'imagine. Et non mais en fait, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer qu'on peut vraiment tout faire avec la blockchain. Alors, du coup, c'est euh, celui-là. Regardez, euh, forcément, il fallait y penser, mais il euh, y a des euh, comment dire des, des malins qui ont décidé de faire un peu des... Comment dire, des... Des, euh, des sites de chat euh, pour adultes ou ce genre de choses, si vous voyez ce que je veux dire, en fait avec, euh, avec euh, la crypto, donc vous voyez c'est pas mal, enfin euh, bah, c'est pas mal entre guillemets. Regardez, on, pour, il y aurait de l'affiliation pour gagner de l'argent, euh, comment dire, euh, voilà, il y a tout un, un système derrière qui, euh, qui est euh, comment dire, euh, euh, qui, qui peut fonctionner avec la crypto, donc pourquoi pas en fait finalement, c'est vrai que il faut profiter de tout le, toutes les opportunités qui, euh, qui s'offrent. Euh, qui sont offertes par par la blockchain etc donc euh, il, fallait, il fallait y penser et puis, euh, et puis voilà donc je voulais simplement vous montrer un petit peu le, le truc euh... oh, ça j'avais pas vu bien. tiens j'avais euh, j'avais regardé que le haut mais donc voilà pour vous dire moi j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça avec la crypto mais finalement euh, c'est logique quoi finalement euh, pourquoi pas euh... Comme c'est comme comment dire ce genre de choses doit forcément être des business qui fonctionnent très bien, et eh bien, euh, eh bien ça me paraît logique que certains en profitent pour euh, tout simplement euh, créer ce genre de, de sites et, et de comment dire de, de projets sur la crypto. J'imagine qu'il y en a plein d'autres qui vont pouvoir se créer par la suite. Euh, J'avais repéré, repéré un autre site du même genre, enfin un autre, une autre ICO du même genre, euh, j'essaierai de vous la retrouver, mais euh, là elle est un petit peu noyée dans, dans tout ça, donc... Euh, je regarderai si je la retrouve et puis je vous la montrerai une autre fois. Mais c'était tout, simple, tout simplement pour vous montrer qu'il y a vraiment plein d'applications possibles avec la blockchain et que ce n'est pas limité à ce qu'on pense. Et effectivement, tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre entourage, etc., vont être forcément modifiés par la blockchain et puis, et puis voilà ces applications. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que demain, il n'y aura pas forcément de live puisque voilà, je serai en déplacement pour comment dire, enrichir mes, mes compétences et, mes, euh, et mes, euh, mes connaissances sur le trading. Et puis bon, il n'y aura pas forcément de crypto, mais je vais rencontrer pas mal de personnes intéressantes et inspirantes. Donc euh, on verra tout ça ensemble. J'essaierai de vous faire une vidéo du coup récapitulative de, de ce petit, euh, cette petite sortie. Voilà, euh, je vous remercie d'avoir regardé ce live. On se dit du coup forcément à, euh, à lundi du coup. Euh, passez un bon week-end, une bonne journée. Prenez des bons trades. Et puis euh, n'allez pas trop euh, sur les ICO de, euh, de euh, Vanmi. Vanilla, vanilla play euh, voilà à très bientôt tout le monde et puis euh, et puis voilà bonne journée